Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier live de notre soirée porte ouverte spéciale master. Donc ce dernier live est consacré au Master of Science d'Excelia Tourism and Hospitality School et des Master of Science d'Excelia Digital School. Pour cela, nous allons accueillir Pascal Capellari qui est le directeur de ces deux écoles. Donc nous allons accueillir tout de suite Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Julie, bonjour à tous, bienvenue. Comment vas-tu Pascal? Très bien. Excellent. Super. Bon, alors pour cette fin de journée, donc, tu vas nous présenter les belles spécialisations qui sont dans ces deux écoles. Et donc, je te laisse la main pour tous nos visiteurs. Très bien. Donc, on va passer sur le PowerPoint, si tu veux bien, Julie. Bien sûr. Et puis après, on aura donc, bien sûr, on pourra répondre à toutes les questions. Ok, donc on y va. C'est bon pour toi, Julie? Tout le monde. C'est parfait, c'est bon pour moi, ouais. Ça marche. Ok. Donc, alors, Excelia, pour vous situer, Excelia, une école qui a 33 ans, qui a commencé à La Rochelle, mais qui est maintenant sur Tours et Orléans. Donc, un groupe, 5 écoles, 32 ans d'existence, 3 campus, 4500 étudiants, 40 000 diplômés. Alors, nos valeurs phares, partage, humanisme, audace, responsabilité et engagement, qui est vraiment, c'est notre ADN au sein de Excelia. Alors, l'excellence académique, bien évidemment, vous cherchez une école qui délivre des Master of Science de qualité. Donc, nous avons des accréditations et des certifications internationales et bien sûr nationales. Nous avons la triple accréditation pour la Business School, hein, EQUIS, AACSB et AMBA. Donc, on fait partie des 1% des Business School accrédités. TEDQAL, donc j'en parlerai pour les Masters en Tourisme, Tourism Education Quality, qui est une accréditation des Nations Unies. Et puis, d'autres certifications concernant l'international. Nous sommes établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Ça veut dire que nous sommes une association. Et donc, l'ensemble de nos actions vont vers la pédagogie et uniquement vers la pédagogie. Donc, Humacité, c'est une mission humanitaire citoyenne qui est exclusive à Excelia et qui, bien sûr, existe depuis une quinzaine d'années, que vous pourrez également faire, cette mission Humacité, une mission humanitaire citoyenne, que vous pourrez également faire en Master of Science. Donc, le groupe est également engagé, bien sûr, dans une démarche responsable, puisque c'est vraiment notre ADN, donc des enseignements en développement durable RSE qui sont dans l'ensemble des cours. Une expérience à 360 degrés au sein d'Excelia, humaine, internationale, associative, citoyenne, multiculturelle et professionnelle. J'insiste sur le côté multiculturel, puisque aussi bien dans les masters que dans les bachelors, hein, au niveau du tourisme par exemple, 30% de nos étudiants sont des étudiants internationaux. Donc, je vais commencer par les Master of Science de Excelia Tourism and Hospitality School. Notre école de tourisme, 15 ans d'existence et 2600 diplômés. Donc, on est la plus ancienne et la plus grande école de management du tourisme en France, qui soit la seule en France qui soit certifiée par les Nations Unies, par le label Tourism Education Quality TEDQAL. Le bachelor est visé par l'État et offre une possibilité de double diplôme avec nos partenaires universitaires que sont l'ESTUA et l'ULCO et évidemment un panel que je vais présenter de Master of Science. Donc, on commence par le premier Master of Science qui est localisé dans notre nouveau campus à Tours, le Master of Science International Tourism and Destination Management. Une originalité, c'est 15 mois 720 heures de spécialisation et on va pouvoir faire en 15 mois 120 crédits ECTS. Double diplôme MSc Master of Science Excelia et un titre d'État RNCP de niveau 7, c'est-à-dire Bac plus 5. C'est une certification professionnelle directeur de produits touristiques. Accrédité par donc, les Nations Unies, par la Conférence des formations d'excellence au tourisme qui est pilotée par le ministère des Affaires étrangères et nous sommes classés troisième meilleur master de France en management du tourisme. Donc, un peu plus de détails, c'est pour devenir effectivement la manager dans le tourisme à l'international avec 3 semestres, hein, en 15 mois, je le répète, septembre à décembre de N plus 1. Premier semestre, septembre-décembre, avec un approfondissement en tourisme stratégique, les nouvelles tendances et l'innovation, la vision stratégique du tourisme. Semestre 2, l'étude de la promotion et de la gestion des destinations touristiques et surtout l'attractivité d'un territoire à l'international, une mission de conseil
Et enfin, le semestre 3, un stage international de fin d'études de 6 mois et le mémoire de fin d'études de master. Donc, on délivrera 120 crédits à l'issue de ces 720 heures de cours. Donc, c'est évidemment un programme intéressant, tout en anglais, je le rappelle, qui peut être évidemment réalisé à Tours. Le deuxième master qui se fait à La Rochelle, donc il y a ce programme est un des premiers qu'on a lancé en niveau master, hein, donc il a à peu près une dizaine d'années d'existence, une première année en français, une deuxième année en français, deux années de spécialisation dans le domaine du management de destination selon que vous rentrez après un bac plus 3 ou après un bac plus 4. D'ailleurs, je précise que pour intégrer le premier programme que j'ai présenté, eh bien, il faut un bac plus 3 minimum. Donc, c'est un rythme en temps plein, rentrée septembre, site d'études La Rochelle. Et la différence par rapport au premier, c'est que c'est en français, c'est sur 24 mois. Donc, pareil, double diplôme Master of Science et RNCP niveau 7, et puis un diplôme national de master possible avec notre partenaire académique. Voilà pour ce programme, qui est donc la même chose finalement que le premier à Tours, mais à La Rochelle et sur 2 années. Ensuite, le Master of Science, donc Management des destinations, qu'est-ce qu'on va y faire? Donc, c'est effectivement sur la première année, on va faire à peu près la même chose finalement sur une année, mais avec un stage dès la première année, donc ce qui permet d'avoir une expérience supplémentaire et surtout ce qui permet la mission humanitaire. C'est la différence avec le MSI 15 mois. L'année 2, donc sur le même dimension stratégique de gestion de management de destination, quelques taux d'insertion, parce que ce programme à La Rochelle est le plus ancien, 85% des étudiants trouvent des jobs donc dans le secteur du management du tourisme, donc agence de voyage, tour opérateur, agence réceptive, office du tourisme, etc. Donc, c'est vraiment la formation idéale pour travailler dans les voyages, hein, typiquement. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, pardon, 42% des diplômés travaillent à l'international. Donc, c'est un des programmes où il y a le plus d'étudiants qui travaillent à l'international. Donc, des professeurs experts, un coaching par nos diplômés, nos alumni, hein, nos 2600 diplômés, des conférences métiers qui sont issues de professionnels qui sont ancrés dans leur métier. 15 ans d'existence pour l'école de tourisme d'Excelia à La Rochelle et Tours, eh bien, effectivement, ça permet d'avoir un réseau de professionnels très important et c'est aussi ce que viennent chercher nos diplômés. Alors, troisième master, le Master of Science International Hospitality Management. Là, l'idée, c'est de devenir directeur d'hôtel, directeur de structure d'hébergement, par exemple, avec la première année en français, donc sur une année complètement dédiée au tourisme, ou alors, si on veut une première année en anglais, un tronc commun en business. Et la deuxième année se fait tout en anglais, comme le nom du programme l'indique, International Hospitality Management, en temps plein, une rentrée en septembre ou en février. Double diplôme, bien sûr, MSI et diplôme national de master, mais aussi possibilité d'avoir un double diplôme avec notre partenaire québécois, l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal. Donc, d'avoir un double diplôme MBA. D'avoir des cours délocalisés de l'ESGUCAM à La Rochelle et donc, à l'issue des 2 années, d'avoir également le MBA. Pour ça, il faut choisir donc le tronc commun en anglais. Bien sûr, ce programme est également, parce que l'ensemble de l'école de tourisme est accrédité par les Nations Unies et par la CFET. D'ailleurs, ce programme fait partie du top 12 hein, des meilleurs masters en tourisme, en hospitality management par Ed Universal 2020. Le dernier master en tourisme, on le verra juste après. Alors, qu'est-ce qu'on va voir en hospitality management? On va voir l'approfondissement en management stratégique et leadership, le stage mission humanitaire et stage dès la première année. Et en année 2, on va approfondir la gestion des opérations en hospitality management. Donc, on va avoir le revenu management, bien sûr, le management stratégique et opérationnel de l'hôtellerie, le food and beverage, et un stage de fin d'études et un mémoire professionnel. Alors, un taux d'insertion très fort,
de ce programme, puisqu'il y a des besoins très importants et 40% d'entre eux travaillent directement à l'international. Alors, une petite parenthèse pour parler de la crise du Covid aujourd'hui, pour vous dire que le tourisme, évidemment, quand on ferme des frontières, c'est la première chose qu'on arrête, évidemment. Par contre, quand on rouvre, c'est la première industrie qui redémarre. Donc, c'est la première industrie du monde, le tourisme, 1 emploi sur 10. Et écoutez, l'intérêt pour le tourisme ne faiblit pas, parce que la première chose qu'on a envie de faire, c'est de partir dès que c'est possible. C'est d'ailleurs, nos experts du tourisme m'ont dit cette semaine que le taux de remplissage en février, là, sur les vacances, notamment du littoral, des destinations, est extrêmement bon. On est similaire à un 14 juillet, parce que, évidemment, les besoins, les Français et le touriste de manière générale, a besoin d'air, et donc c'est le premier secteur qui reprend, et donc aucun problème pour ce secteur, même en période de crise de Covid, puisque, encore une fois, on a des bonnes nouvelles, il y a une baisse des cas dans le monde, il y a la moitié des cas on assiste à 50% de baisse par rapport aux cas dans le monde entier par rapport à janvier, donc cette crise va avoir une fin, et la première chose qu'on aura envie de faire, c'est évidemment de faire du tourisme, donc nous sommes très optimistes sur l'avenir évidemment, du tourisme. Alors, le dernier master de l'école de tourisme, c'est le master en événementiel, International Event Management. Alors, pareil que Hospitality Management, la première année, vous pouvez le faire en français avec une spécialisation complètement tourisme, ou alors en anglais avec un tronc commun. Et vous pouvez faire, évidemment, la deuxième année est en anglais. Et temps plein ou alternance, 12 à 24 mois, donc c'est une originalité du programme. Pareil, double diplôme MSI et diplôme national de master possible, et ou alors possible également de faire le double diplôme MBA avec notre partenaire ESGUCAM. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail de ce programme qui est à La Rochelle, la première année, on va avoir effectivement un tronc commun en management stratégique, avec pareil la possibilité de faire une mission humanitaire dès la première année et un stage, ou alors que un stage, il n'y a pas d'obligation. Et la deuxième année, vous allez approfondir le management de l'événementiel avec le management stratégique et opérationnel des événements, tout ce qui est MICE, donc tout ce qui est incentive, le sponsoring, la communication corporate, le digital, etc., etc., pour devenir donc un manager événementiel. Donc, 83% de nos étudiants décrochent un poste dans les 6 mois dans le secteur de l'événementiel et 60% d'entre eux travaillent directement en CDI, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que le secteur recrute également en CDI. Voilà. Donc, voilà pour ce programme en management de l'événementiel. Alors, pour intégrer, c'est très simple. Vous allez sur notre site Internet. Nous avons donc des concours. Vous remplissez un dossier. Nous étudions les dossiers. Chaque mois, il y a une session de concours. Et ensuite, nous donnons les réponses pour que vous soyez informés le plus rapidement possible. Donc, bien sûr, niveau requis, Bac plus 3 pour intégrer les 2 années ou le programme en 15 mois ou Bac plus 4 pour arriver directement en 2e année. Voilà pour les MSI de l'école du tourisme. Un petit témoignage de Benjamin qui est actuellement, qui est sorti de l'école. Cette école de tourisme qui existe depuis 15 ans peut vraiment s'appuyer sur ce réseau de diplômés. Ça, c'est très important. 2600 diplômés dans le monde entier. Et c'est une vraie richesse dont vont bénéficier nos futurs étudiants. Alors, Julie, nous allons pouvoir passer au Master of Science de l'école digitale, Excellia Digital School, la dernière année des écoles d'Excellia, avec donc... 2 programmes de master, Master of Science Communication Digitale et Stratégie d'Influence et Master of Science Consulting et Stratégie Data. Donc, on va tout de suite présenter ces masters et on va commencer par le premier, Master of Science Consulting et Stratégie Data. Donc, l'idée de ce programme, c'est après soit un Bac plus 3 en gestion ou et par un Bac plus 3 en gestion, mais avec beaucoup d'expérience en informatique, ou dans SS2I, dans les ESN, ou en data, ou en informatique, il faut vraiment avoir un intérêt, ou alors après un Bac plus 3 technique, informatique, ou évidemment un BUT maintenant, qui vont avoir lieu, qui vont se lancer en septembre, vous pouvez intégrer ce programme, donc soit un cursus gestion-management, mais très orienté avec une passion
en informatique et en data, soit bien sûr un bac plus 3 technique. Donc, en français, le site d'études, c'est à Niort, puisque nous sommes basés à Niort en lien avec les mutuelles. À Niort, c'est la 4e place financière française. C'est le siège des mutuelles et on a beaucoup, beaucoup de terrain d'études sur place. Et c'est pour cela qu'on a localisé la filière data, finalement, à Niort. Donc, nos alternants, puisque ce programme est en alternance 12 ou 24 mois, selon si on fait un an ou deux ans, vous pouvez le faire. Évidemment, vous serez à Niort pour les cours, une semaine par mois de cours et trois semaines dans l'entreprise, mais votre entreprise peut être bien sûr partout en France. Donc, c'est un diplôme Bac plus 5, RNCP niveau 7, qui va délivrer donc le Master of Science d'Excelia et le titre d'État, une certification professionnelle, manager de solutions digitales et data. La rentrée se fait en septembre, donc dès septembre 2021. Alors, en quoi ça consiste ? Quelques indices, quelques cours que vous allez suivre. Donc, en première année, après un bac plus 3, l'idée, c'est de se spécialiser, consolider ses compétences avec de la gestion de projet, de l'ingénierie de développement, de la gestion des services, développement et objets connectés. Vous allez faire du développement et puis des compétences transverses, bien évidemment, qui sont transverses à l'école de management. Donc, l'intérêt de ce programme, c'est aussi d'hybrider entre technique, finalement, et management. Et c'est ce que recherchent les entreprises, des gestionnaires de projets qui parlent le langage des informaticiens et des systèmes d'information. Donc, vous allez avoir, vous voyez, tous ces thèmes de formation, la qualité des livrables, une certification Scrum, donc de management agile, de l'industrialisation du développement, vous allez savoir faire des tests logiciels, la mise en production, du développement sur du .NET, développement mobile, etc. Et ça pour la première année. Je reviendrai sur les métiers juste après. En deuxième année, vous allez voir, en année 5, donc en Master 2, la gestion de projet, management du changement et de l'innovation, les méthodes de gestion de projet techno, la gestion de l'ARCET, tout ce qui est droit et contrat de prestation, l'orientation client, les appels d'offres, la gouvernance, très important, la gouvernance IT, pour sécurité informatique, cadre juridique des données, préparation et la certification ITIL, ça c'est très important, vous pourrez vous prévaloir de cette certification qui est très reconnue dans les entreprises, en ce qui concerne le pilotage et la gouvernance des systèmes d'information. Au niveau data, bien sûr, puisque nous travaillons donc en lien avec ce secteur de la data qui explose aujourd'hui, qui a besoin de compétences, en lien avec l'intelligence artificielle, donc l'écosystème Big Data, l'approche et la démarche data, l'exploitation des données, et on va vous préparer à une certification IBM, Certified Data Architect Big Data. Les compétences transverses, bien sûr, vous allez faire un mémoire professionnel de fin d'année de master, et avoir une approche interculturelle, management des équipes, etc. Alors, les exemples de métiers, ils sont nombreux, consultants en SI, en BI, Business Intelligence ou Data Visualisation, assistant à maîtrise d'ouvrage, architecte SI, manager data et digital, acheteur IT, chef de projet data, responsable de la transformation du numérique. Ce sont des postes qui se développent énormément et ce sont des compétences qui sont en tension. Tout ce qui est consulting informatique sont des métiers en tension. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offres, finalement, pour peu de candidats. Donc, ça, c'est très important pour l'insertion professionnelle. Le deuxième Master of Science que nous lançons à Niort, c'est la communication digitale et stratégie d'influence, toujours au sein de Excelia Digital School, toujours à Niort, en alternance, 12 à 24 mois, avec un double diplôme, Master of Science Excelia et RNCP niveau 7, en partenariat avec l'ISCPA, c'est-à-dire qu'on va délivrer un diplôme directeur de projet communication. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation ? La première année, le Master 1, donc, on va avoir de la stratégie, tout ce qui est communication stratégique, sociologie de la consommation, création publicitaire, la communication digitale et audiovisuelle, initiation à la prise de vue, montage vidéo, création de spots pub, développement web, la PAO et design, parce que vous ne pouvez pas piloter un projet de communication sans avoir mis la main à la pâte. Donc, vous allez faire. C'est le learning by doing. Vous allez apprendre en faisant. Bien sûr, un panorama digital et réseaux sociaux, les références et optimisation web. Vous allez voir aussi comment réagissent les agences et médias, parce que l'idée, c'est de travailler soit dans les agences, soit chez les annonceurs. Donc, vous allez avoir les deux visions, finalement, de la communication. Donc, tout ce qui est conception, rédaction, blogueur et influenceur, annonceur et stratégie de marque, donc tout ce qui est storytelling, parcours client,
communication interne, et on va développer des compétences transverses qui sont importantes. Nous verrons après les exemples de métiers. En année 5, vous allez avoir donc une vision stratégique maintenant, parce que l'idée en M2, c'est de se doter vraiment des compétences à 360 degrés pour, in fine, mettre en place une stratégie de communication digitale, donc le planning stratégique, le budget de com, le social media management, la communication corporate, un peu de direction artistique, sociologie des médias, de la communication digitale audiovisuelle, tout ce qui est design thinking, growth hacking, e-commerce, mobile marketing, stratégie digitale d'acquisition, les relations presse bien évidemment, le media planning, la gestion des prestataires et puis des compétences transverses, le développement durable très important chez nous et bien sûr l'anglais et le mémoire professionnel. Donc les exemples de métiers, ils sont très larges, responsable communication digitale, chef de projet communication web, chargé de communication digitale, social media manager, responsable communication éditoriale digitale, planeur stratégique, notamment, mais évidemment, il y en a d'autres. Et vous allez avoir donc pendant ces deux années des challenges créatifs, donc qui sont des temps forts dans lesquels vous allez avoir des vrais projets sur lesquels mettre en œuvre ce que vous avez appris finalement avec les professeurs. Le corps professoral est essentiellement des professionnels, donc ça vous permet d'avoir une vision vraiment très pratique de la communication. Donc voilà, Julie, pour ces programmes. Donc comment on peut intégrer les programmes Master of Science de Excellia Digital School, une session par mois, le même principe finalement que tout à l'heure. Vous allez vous inscrire, vous remplissez un dossier et nous recrutons sur dossier. Donc Bac plus 3 ou 4 ou 180 crédits ou 240 crédits, sachant que nous ouvrons la première année en septembre 2021. Voilà, donc après un Bac plus 3, minimum 180 crédits. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur les programmes. Alors bien sûr, Excellia, c'est des programmes, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. L'accompagnement renforcé, une aide à l'expatriation parce que vous allez vouloir faire des stages, notamment en tourisme à l'international. Donc, nous avons toute une équipe qui connaît parfaitement l'international. Une équipe Career Center aussi qui va vous aider avec des ateliers toutes les semaines pour trouver votre stage ou votre alternance. Alors, sachant que pour trouver l'alternance, vous êtes accompagné, bien évidemment. Nous avons aussi des offres d'alternance. D'ailleurs, en data, nous avons déjà des offres d'alternance de nos partenaires. On est partenaire avec Business et Décision, avec IBM, avec Kyréon Intelligence à Niort. Et bien sûr, vous avez les alumni, c'est le réseau des diplômés, les alumni, avec des événements réguliers, des conférences métiers qui font que finalement, ils partagent, nos 40 000 alumni partagent des offres d'emploi et d'alternance. Je passe rapidement, il y a peut-être des internationaux parmi vous. Nous avons beaucoup d'internationaux, notamment dans l'école de tourisme, à peu près 30%. Donc, je le redis, nous accueillons bien sûr à peu près 14 nationalités au sein de l'école de tourisme. La Rochelle, une ville, vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est très, très agréable, qui fait bon vivre et étudier. C'est une ville très visitée, connue pour son tourisme. 2h30 de Paris maintenant, à 1h de Lyon et Londres, avec beaucoup d'événements. Donc, c'est vraiment une ville à ciel ouvert, un laboratoire à ciel ouvert pour le tourisme, bien évidemment, et l'événementiel, puisque nous avons beaucoup d'événements chez nous. Et c'est aussi une petite ville sûre et agréable. Niort, pourquoi à Niort, Excellia Digital School, les MSI à Niort, parce que c'est très dynamique, avec une économie qui positionne la région comme en troisième position des régions françaises productrices de richesses. C'est 50 000 entreprises sur le territoire. C'est le siège, évidemment, de nombreux acteurs, notamment dans l'assurance, dans l'assurtech et dans le domaine des technologies de pointe. Il y a un gros écosystème numérique au sein de Niort qui s'appelle Niortech, dans lequel, d'ailleurs, nous serons basés pour nos formations, donc avec des startups. Donc, il y a un écosystème très intéressant pour nos étudiants. C'est la ville qui est au deuxième rang des agglomérations de taille moyenne, parmi les plus attractives. Et puis enfin, donc, se positionne comme leader dans le domaine des assurances et des mutuelles. Et c'est la quatrième place financière française. Voilà, donc pour financer vos études en France, ça c'est plutôt pour les internationaux, il y a pas mal de choses. Et bien sur les stages, il y a l'alternance qui fait que vous ne payez pas vos études. Et puis, il y a les bourses Erasmus stages. Mais je pourrais rentrer, ou nos ambassadeurs pourront rentrer avec vous dans le détail de ces informations. Voilà, pour les internationaux, il y a un processus d'inscription très spécifique que vous pourrez retrouver sur notre site internet, bien évidemment. Donc voilà, vous pouvez venir vivre votre vie d'étudiant. On a donc des immersions, on a donc bien sûr les concours
Et vous pouvez nous rencontrer aux journées portes ouvertes, etc. Voilà pour moi, Julie. J'en ai terminé. Et j'arrête donc le partage ici pour répondre aux questions. Voilà, je suis de retour avec vous. Hop, j'espère si je ne mets pas mon micro, on ne m'entend pas. Mais j'espère aussi que tout va bien pour tout le monde. Hein. Je vois qu'on a été suivis. Un grand merci pour cette présentation vraiment complète hein, des Masters of Science qui sont possibles donc, dans la Digital School et dans Excellia Tourism and Hospitality School. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix, hein, si je peux dire, en fonction de vos envies. On vous propose plein de choses. Donc, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit à la fin. Donc oui, on propose des choses et on propose notamment des immersions. Donc, j'ai envie de vous inviter aux prochaines immersions qu'on va faire. Vous allez voir, ça va s'afficher sur l'écran. Donc, sur le site de l'école, on vous organise le 24 mars prochain, donc dans un mois tout pile, une soirée d'immersion pour découvrir un cours spécifique dans notre Master of Science donc de la Digital School et un autre cours spécifique pour l'école du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller vous inscrire sur le site. Donc, vous aurez un cours et vous aurez également une présentation un peu plus en profondeur hein, de ces MSI, Pascal, avec toi. Également, des rencontres avec des étudiants et puis on vous fera également des visites virtuelles des campus et des villes où vous pourrez venir étudier. Donc, ça peut être une belle occasion. C'est un événement qui est évidemment complètement gratuit et ça vous permettra également de découvrir ce que c'est que les cours à distance chez Excellia parce que depuis maintenant un an, bientôt un an, on va fêter les un an des cours à distance, nos étudiants suivent en majorité maintenant leurs cours sur Microsoft Teams et ça fonctionne très bien. Donc, en fait, vous allez vivre une réelle immersion. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et également, comme tu le disais, Pascal, nous avons les journées portes ouvertes. Donc, les journées portes ouvertes, cette année, se sont digitalisées. On a eu la chance d'en faire une toute première sur le campus de La Rochelle en octobre. Mais depuis, c'est digitalisé. Mais pour ces prochaines portes ouvertes, on a décidé de se figitaliser. Donc, un mot que j'ai appris dernièrement. Je ne sais pas si tu le connaissais, Pascal, ce mot. Figitalisation. Digitalisation. Donc, effectivement, nos présentations seront toujours en virtuel pour les JPO à venir, les journées portes ouvertes à venir. Par contre, sur rendez-vous, on peut vous accueillir sur le campus. Donc, samedi prochain, le 27 février, dans 3 jours, on vous accueille sur le campus de Tours. Donc, les présentations seront en live que vous pouvez retrouver sur Internet. Mais par contre, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos équipes à Tours et aller visiter le campus de Tours avec nos équipes et les étudiants de Tours. Et le 6 mars prochain, ça sera à La Rochelle. Sur rendez-vous, on pourra vous accueillir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et ça sera avec grand bonheur qu'on vous accueillera sur le site de La Rochelle. Une précision, Julie, concernant les cours en ligne. Donc, depuis le 8 février, l'ensemble d'Excellia a repris, donc, selon le protocole du ministère, des cours hybrides, comme nous avions commencé l'année d'ailleurs. Et donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Évidemment, vos cours seront en hybride, mais majoritairement, évidemment, en présentiel, puisque nous sommes une école de présentiel. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est très important pour cette rentrée à venir. Alors, évidemment, sauf contre-indication gouvernementale, mais à ce jour, effectivement, nous sommes en hybride, c'est-à-dire 50% des cours en ligne, 50% des cours en présentiel, et ça plaît beaucoup aux étudiants, et ça se passera évidemment. On ne sait pas comment la rentrée sera, mais évidemment, la rentrée de septembre sera bien sûr en présentiel, avec moins de cours en ligne qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a toujours ce protocole sanitaire. Donc, c'est important de bien dire que nos cours seront, bien sûr, majoritairement en présentiel à la rentrée de septembre. Tout à fait. Ça, c'est important pour nous. On a besoin, comme on dit, on est une école où l'humain est important. Donc, avoir nos étudiants sur le campus, c'est très agréable. On les a retrouvés depuis le 8 février. L'école revit et c'est un vrai bonheur. Donc, c'est pour ça qu'on sera très heureux de vous recevoir sur des prochains événements, même si c'est en rendez-vous individuel. C'est important. En tout cas, on pourra vous accueillir sur site. Pascal, un grand merci pour cette présentation. Je te souhaite très belle soirée et puis à très bientôt. Moi, je vais vous quitter avec une vidéo du campus de Tours, une visite virtuelle du campus de Tours, vu que Pascal nous l'a bien présenté. Les Master of Science d'Excellia Tourism and Hospitality School sont également présents sur le campus de Tours. Et donc, pourquoi pas aller faire une petite visite virtuelle à Tours. Qu'en penses-tu, Pascal ?
Avec plaisir, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci Julie, merci à tous. Au revoir. Au revoir Pascal. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis ambassadrice d'Excelia et aujourd'hui je vous emmène visiter notre campus de Tours. Allez, suivez-moi. Bonjour à tous, objectif Campus 2022. Nous avons le plaisir de vous informer que vous serez dans 2 ans dans un tout joli campus, tout neuf, tout beau, 5000 m² au cœur de Tours, au cœur des Deux-Lions. Donc il faut patienter encore 2 ans pour découvrir ce magnifique campus éco-responsable, aligné sur nos missions et sur nos valeurs. Merci à tous, à bientôt dans notre prochain Campus 2022 sur Tours.